Portez armes ! Ouvrez le banc ! Monsieur le ministre des Forces armées, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le général de corps d'armée, grand chancelier de l'Ordre national du Lion, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, Mesdames, Messieurs les officiers généraux, chers grands anciens, officiers, sous-officiers et militaires du rang, personnel civil des forces armées, chères familles de parrains, distingués invités. C'est avec une grande fierté que je préside la journée que la nation a dédiée aux forces armées. Elle m'offre l'occasion d'un contact direct avec des femmes et des hommes d'exception, dont le Sénégal est fier du service rendu sous le sceau immuable de l'engagement républicain. Je salue vos drapeaux et étendards flottant dans cette auguste cour du camp Dial Diouf. Témoin de tant de sacrifices consentis au service de la nation, ils traduisent l'esprit de corps et la cohésion des formations composant notre bel outil de défense nationale. En ce moment solennel, nos pensées vont avant tout à l'endroit des djambars tombés sur le champ du devoir. Comme tout à l'heure lors de la sonnerie aux morts, je m'incline pieusement devant leur mémoire. Je partage la peine de leur famille et leur témoigne la reconnaissance de la nation tout entière pour les sacrifices consentis au nom des idéaux de paix, de concorde et de solidarité. Aux militaires blessés en opération ou alités, je souhaite prompt rétablissement et leur réaffirme notre compassion et notre soutien affectueux sur le chemin difficile de la reconstruction. J'adresse mes encouragements et mes voeux de succès aux femmes et aux hommes déployés en opération, à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire national, dans une ambiance de privation et de risque, parfois au péril de leur vie. Ces hommages s'étendent bien évidemment aux anciens, auxquels je réitère nos sentiments de reconnaissance et d'affection. Ils ont su graver dans le marbre la tradition républicaine des forces armées, faite de discipline, de rigueur et de patriotisme. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, solidement ancrés dans une posture républicaine, les forces armées ont toujours fait honneur à la nation. Incarnant le Sénégal dans sa diversité, elles ont joué un rôle central dans la construction de la cohésion nationale. D'ailleurs, le musée Armée-Nation que je visiterai tout à l'heure aux côtés de cette belle place d'armes qui a vu passer tant de générations, en est une belle illustration. Toujours imbues de patriotisme, fidèles à leur sacerdoce, elles ont su préserver la sacralité de l'intégrité territoriale contre les velléités visant à saper les aspirations de notre devise « Un peuple, un but, une foi ». Cette posture républicaine qui n'a jamais fait défaut explique le respect que leur vouent nos concitoyens et l'intérêt personnel que je porte à leur épanouissement sur tous les plans. Hors de nos frontières, du Sinaï aux vertes forêts du Congo, des déserts du Darfour aux confins de l'Oubangui-Chari,
Elles sont restées les dignes ambassadeurs des idéaux de paix et de solidarité de notre pays. Si j'ai évoqué toutes ces hautes valeurs qu'elles incarnent, c'est aussi pour souligner le rôle déterminant des forces armées dans l'affirmation et la préservation de notre souveraineté qui, plus qu'un slogan, est le souffle vital de toute nation qui aspire à asseoir son autonomie et sa liberté. Voilà pourquoi je me félicite de cette édition de la Journée des Forces armées, qui revêt pour moi un cachet particulier, en ce qu'elle constitue la première que je préside aussi, parce qu'elle est placée sous un thème structurant pour l'avenir de notre système de défense et de sécurité, à savoir vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées. Ce thème, en parfaite cohérence avec le quatrième axe du référentiel Sénégal 2050 qui vient d'être présenté, est tout à fait pertinent. Au regard du contexte géopolitique mondial, marqué par une complexité croissante qui place le Sénégal à l'heure de choix décisifs. En effet, depuis la survenance de la pandémie mondiale de la COVID-19, le besoin d'une plus grande autonomie stratégique des nations comme la nôtre s'est fait sentir avec acuité. Cette nouvelle orientation est amplifiée d'une part par le délitement progressif des mécanismes multilatéraux de solidarité qui assuraient jusque-là un certain équilibre dans les relations internationales et d'autre part par les signaux alarmants d'un retour brutal de la guerre dans certaines parties du monde. À l'échelle régionale, cette situation se déroule sur fond de périls sécuritaires graves portés par la violence terroriste qui frappe à nos frontières, qui affaiblit de jour en jour nos économies et compromet gravement nos efforts d'intégration. Ce tableau sécuritaire peu reluisant nous commande de prendre la pleine mesure des défis liés à notre stratégie d'acquisition en matière de défense et de sécurité. Dès l'installation de la nouvelle Assemblée nationale, un projet de loi sur la défense et la sécurité nationale, fixant les grandes orientations de notre architecture de défense adaptée au contexte actuel, sera examiné. Il est déjà rassurant que les forces armées aient pensé à soumettre pour validation une loi de programmation militaire 2025-2029. Visant à établir un plan pluriannuel des dépenses que l'État leur consacre. En réalité, si notre politique d'équipement nous permet encore de disposer de capacités satisfaisantes, elle reste limitée par le caractère hétéroclite de nos moyens et surtout par une trop forte dépendance étrangère. Dans un monde imprévisible caractérisé par une militarisation croissante des chaînes d'approvisionnement, la soustraction progressive de notre outil de défense et de sécurité aux multiples aléas constitue un véritable gage d'indépendance. Le contexte de besoin croissant en équipement militaire créé par la montée en puissance des forces armées milite pour une autonomisation progressive afin de mieux satisfaire aux exigences d'un soutien logistique de plus en plus marqué par la déconcentration. La création d'une véritable industrie de défense et de sécurité est aujourd'hui un impératif pour parachever le niveau de professionnalisme et de rayonnement dont font preuve nos forces armées depuis plus de 60 ans. Il nous faut donc changer de paradigme pour asseoir nos politiques sur des fondements solides et durables, à même de nous assurer autonomie et résilience. À cet effet, tout en restant ouvert aux opportunités extérieures, il nous faudra exploiter et mettre en exergue nos capacités endogènes. Je demeure convaincu
qu'en combinant l'expertise de nos chercheurs et les savoir-faire endogènes de nos ingénieurs, inventeurs et artisans, les forces armées peuvent entrer dans une nouvelle ère afin de poursuivre leur montée en puissance. J'ai instruit le Premier ministre et le gouvernement de mobiliser tous les acteurs nationaux, publics comme privés, ainsi que les partenaires internationaux, dans une démarche réaliste et pragmatique pour la réalisation de cet objectif national. L'évolution du monde académique, le resserrement des liens entre les différents acteurs et le changement de culture constituent des pistes à développer. Il s'agira en définitive de faire naître des flancs de notre tissu industriel un nouveau secteur pourvoyeur d'emplois. Dans ce cadre, le ministère des Forces armées et celui de l'Industrie et du Commerce ont signé hier un important protocole d'accord avec une société partenaire pour la mise en œuvre d'un projet d'installation et d'exploitation d'une usine d'assemblage de véhicules militaires au Sénégal. Je suis heureuse également d'annoncer que lors des prochaines journées des forces armées, un prix spécial du président de la République sera attribué à la meilleure innovation technologique et industrielle à vocation militaire et paramilitaire. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, le 10 novembre 1960, les armées recevaient le premier drapeau de l'histoire du Sénégal indépendant. Assurément, le respect et l'admiration qu'elles ont toujours suscité se reflètent dans la vigueur du serment des élèves officiers à l'honneur ce matin. Élèves officiers des promotions générales de division Saliou Ndiaye et médecin colonel Amadou Dia, le commandement vous a fait l'honneur et le redoutable privilège de vous offrir un exemple et un modèle des officiers au parcours professionnel exceptionnel. Prenant à témoin les invités ici présents et le peuple sénégalais qui vous regarde, vous avez juré de servir votre pays pour perpétuer la tradition d'excellence de vos devanciers. Plus qu'un simple mantra, votre serment résume la philosophie du métier des armes et vous engage dans la voie de vos parrains respectifs. Feu le général de division Saliou Ndiaye, parachutiste émérite, était un officier d'élite dédié à l'action et proche de ses subordonnés. Très dynamique, il incarnait la plénitude de l'officier d'infanterie. Quant à feu, le médecin colonel Amadou Dia, il était un praticien dévoué, ayant entièrement consacré ses brillantes compétences au système de santé des armées et du Sénégal. Militaires dans l'âme, ces deux officiers ont su être des modèles pour les plus jeunes. Je vous engage donc à suivre l'auréole de vos parrains en incarnant toutes ces hautes valeurs qu'on leur connaît et qui s'attachent à leur carrière que vous avez délibérément choisie, qui est faite de grandeur, mais aussi de servitude. Lorsque par malheur le doute vous animera à la tête de vos structures respectives, quand l'appétence pour la facilité vous tentera, pensez à votre serment qui doit toujours résonner dans vos consciences, même dans les purs moments d'incertitude. Cette cérémonie solennelle constitue pour moi une occasion privilégiée de réitérer, conformément à mon serment et à ma qualité de chef suprême des armées, ma ferme volonté d'assurer en tout temps et en tout lieu le rayonnement de nos forces armées. C'est aussi le lieu de renouveler mon engagement personnel à poursuivre et à intensifier les efforts de modernisation en cours des forces armées
afin de leur donner les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur noble mission pour que notre pays continue sa marche prometteuse vers plus de souveraineté, plus de justice, plus de prospérité. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, vous constituez ces citoyens que la nation a sélectionnés pour porter ses armes et assurer sa défense. C'est un honneur, mais également une lourde charge. Je vous réitère ma fierté et je demeure convaincu que rien, absolument rien, ne pourra éroder votre sens élevé du devoir et votre attachement ferme à votre puissante et belle devise choisissant la mort plutôt que le déshonneur. Enfin, je nourris l'espoir que ces jeunes élèves officiers qui viennent de prêter serment devant la nation pourront être les heureux témoins devant leurs cadets de la réalisation de notre ambition pour le Sénégal de 2050. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie de votre attention.